وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à s'asseoir dans ces cercles où on lit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et on essaie de les comprendre et de les expliquer. Nous sommes arrivés à sourate al-Inshiqaq qui pourrait être traduit par la déchirure. Dans l'ordre du Coran, c'est la 84e, et dans l'ordre de la révélation, c'est la 83e sourate qui a été révélée. C'est une sourate makkiya, pré-égyrienne. Donc, A'udhu billahi min shaitan rajim, bismillahir rahman rahim, idha as-sama'u shaqqat, wa adinat li rabbiha wa huqqat, wa idha al-ardu muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa adinat li rabbiha wa huqqat, il a akhiri l'ayat. Donc Allah tabaraka wa ta'ala parle ici dans sourate al-Inshiqaq du jour du jugement dernier. Et il parle de ce jour-là où le ciel va se déchirer. Ce ciel-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait sept cieux, sab'an shidada, Allah ta'ala il les a appelés ces sept cieux, sab'an shidada, sept cieux robustes. Et malgré cela, ces sept cieux robustes, Yom al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, ce ciel il va se déchirer vu la gravité de ce jour et l'immensité de ce jour qui est Yom al-Qiyamah. Et c'est venu dans d'autres sourates du Coran, dans ce sens-là, dans sourate al-Mursalat aussi, quand le ciel va se déchirer. Et dans sourate al-Rahman, donc dans plusieurs sourates du Coran, ce sens-là, il a été énoncé, que le ciel, Yom al-Qiyamah, il va être déchiré. Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant donc de ce ciel-là, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, c'est-à-dire qu'elle a écouté son Seigneur, elle lui a obéi. وَحُقَّتْ, et il mérite bien d'être obéi, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui l'a créé, ce ciel. Donc quand il lui ordonnera de se déchirer, il va suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a créé ce ciel-là avec force, d'une puissance. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُودٍ. Et malgré cela, ce ciel-là, il va être déchiré, وَحُقَّتْ. Et il mérite subhanahu wa ta'ala d'être obéi, car c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui a créé tout ce qu'il y a, toutes les créatures. Donc c'est lui qui mérite d'être obéi subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Et quand la terre, elle sera aplanie. Donc le ciel, il va être déchiré. La terre va être aplanie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de montagne. La terre, elle est ronde aujourd'hui, mais Yom al-Qiyamah, elle sera aplanie. Au point que tout le monde va être réuni dans le lieu du rassemblement pour être jugé devant le Seigneur et Maître du monde. Donc regardez, subhanallah, des créatures aussi fortes, puissantes que la terre, le ciel, comment elles obéissent à Allah, tabarak wa ta'ala. Au début de la création, elles ont obéi à Allah tabarak wa ta'ala. Quand Allah tabarak wa ta'ala raconte cela dans surat Fussilat, verset 11, quand Allah tabarak wa ta'ala a créé les cieux et la terre, puis il s'est établi, il a sa main au-dessus des cieux,
Et il a dit aux cieux, alors que c'était une fumée, et il a dit aux cieux et à la terre, venez, bon gré ou mal gré. Ils ont répondu, on vient bon gré, obéissant. Donc au début de la création, Allah Ta'ala leur a donné un ordre, ils sont venus obéissants. À la fin de la création, Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va lui dire, déchire-toi, elle va se déchirer. À la terre, aplanis-toi, elle va s'aplanir. Des créatures aussi immenses, aussi grandes, elles viennent à Allah Ta'ala bon gré et obéissant. Et cet homme faible, qui peut, si la terre elle veut, elle l'avale, le ciel, s'il laisse la pluie ou les vents, qu'est-ce qui va devenir à cet homme-là? Il ne vient pas obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est un être beaucoup plus faible que les cieux et la terre, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, que les créations, la création des cieux et de la terre, et c'est plus grand que la création de l'homme. Mais regardez l'homme, malgré cela, il s'enorgueillit. Cette amana, ce dépôt qui est la religion du tawhid, quand Allah ta'ala a préposé cette amana, ce dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont refusé ce dépôt tellement il était lourd. Et ils se sont remplis d'humilité et faibles par rapport à ce dépôt, mais l'homme l'a pris, mais il est très injuste, très ignorant, cet homme-là. Non. Donc, regardez comment les cieux et la terre sont obéissants à Allah, qui sont plus grands et plus puissants que l'homme. Et l'homme, malgré tout cela, il désobéit, valoum, injuste, injuste envers son Seigneur, injuste envers lui-même, injuste envers les gens. Jahoul, sirat mubalagha, valoum, c'est pas valim. Valoum, c'est beaucoup, très très injuste. Jahoul, c'est très très ignorant. Aslul insan. Donc la terre, elle va être aplanie, tout le monde va être réuni, Yom al-Qiyamah, sur une seule place, pour être jugé devant le Seigneur et maître des mondes, subhanahu wa ta'ala. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. C'est la terre qui jettera ce qu'il y a en son sein et se videra. Qui est-ce qui est au sein dans la terre? C'est les morts, les corps des êtres humains. Comme l'être humain sort du ventre de sa mère lors de sa première création, pieds nus, non vêtis et non circoncis. De même, il sortira lors de sa deuxième création du ventre de la terre, pieds nus, non vêtus, non circoncis. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Aïcha, radiallahu anha, dans le hadith sahih, que les gens seront ressuscités au al-qiyamah, pieds nus, non vêtus, non circoncis. Elle a dit, les hommes et les femmes, ensemble, nus au messager d'Allah, ils vont... Il a dit, ya Aïcha, l'affaire va être tellement énorme que personne ne pensera à cela. Ce jour sera tellement terrible que personne ne pensera à regarder quelqu'un d'autre que lui-même. Il pensera à s'assauver. Et le premier à être habillé ce jour-là, qui est-il? Ibrahim, alayhi salam. Pourquoi le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam? Car il a été humilié dans ce monde pour Allah. Ils l'ont déshabillé pour le jeter dans le feu. Il a supporté ça pour Allah. Alors Allah va le récompenser pour être le premier habillé au Qiyamah. Pareil. Et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être obéi. Puis Allah tabaraka wa ta'ala appelle l'être humain, tout le monde, musulman, kafir, ya ayyuhal insan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ô toi, être humain, qui t'efforce vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Le croyant, il fait l'effort sans relâche pour retourner vers son Seigneur. Et le kafir, il faut l'effort sans relâche et il va retourner quoi qu'il en soit vers son Seigneur. Sauf que le premier fait les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala et il retournera vers un Seigneur qui est satisfait de lui. Et le deuxième fait les actes qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, il retournera vers un Seigneur qui est en colère contre lui et il méritera l'enfer. Mais quoi qu'il en soit, les deux retourneront à leur Seigneur. Donc c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit ici, ya ayyuhal insan, ô toi l'homme qui t'efforce vers ton Seigneur sans relâche, tu vas le rencontrer. Comme on dit tout le temps quand quelqu'un meurt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et Allah ta'ala a dit aussi dans sourate An-Najm, c'est à ton Seigneur qui est la finalité. Donc quoi qu'il en soit, on retourne à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la personne, elle fait l'effort pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme Allah Ta'ala dit, c'est nous qui allons les retourner vers nous, puis c'est nous aussi qui allons leur demander des comptes. Donc chacun selon son effort, celui qui fait l'effort dans le bien, il rencontrera son Seigneur dans le bien. Et celui qui fait l'effort dans le mal, il rencontrera son Seigneur et Allah est en colère contre lui et il récoltera le mal. Non. Et quand Allah Ta'ala dit « Famulaqi »« Fa » ici en langue arabe, c'est les « Taqib » ou « Taqrib ». C'est-à-dire ça vient juste après. Tu vas le rencontrer bientôt. La personne, elle pourrait se dire comment bientôt. Allah Ta'ala a cité dans le Coran plusieurs fois « Ce qui vous est promis va venir, ça arrive là, bientôt. » Et qui te dit que l'heure n'est pas proche, comme Allah Ta'ala dit dans Surat Ash-Shura. Donc cette heure-là, eux ils disent, eux ils la voient loin, mais nous on la voit proche, comme Allah Ta'ala dit. Effectivement, cette vie-là, on la voit longue aujourd'hui. Mais c'est comme une personne qui est éveillée quand il dort. Il peut dormir une heure, comme il peut le dormir 24 heures, on dirait qu'il a dormi combien de temps. Il le ressent comme un court moment, n'est-ce pas? Donc cette vie-là, elle est courte, et quand il va mourir, il va être dans le monde du barzakh, c'est-à-dire son âme, elle va quitter son corps. Elle sera dans un monde intermédiaire. Son corps, il va pourrir ici, et lui, il sera dans un monde intermédiaire. Dans ce monde intermédiaire, comme quand la personne, elle dort, son âme, elle quitte son corps. Quand il meurt aussi, son âme, elle quitte son corps. Sauf que quand elle dort, Allah, il lui redonne son âme, au matin, quand il se lève. Comme il est venu dans la hadith sahiha, qu'on demande à Allah qu'il nous prenne, s'il garde notre âme, qu'il la garde et il est satisfait d'elle, sinon qu'il nous la rende dans le bien. Donc de même, Allah Ta'ala dit aussi dans le Coran, que Allah fait mourir les âmes et celles qui ne meurent pas dans leurs rêves. Il garde celle pour qui il a destiné la mort, il rend l'autre jusqu'à un terme déterminé. Donc chaque soir, en vérité, l'âme, elle quitte le corps, on ne sait pas si elle revient. Elle revient, on a encore une journée devant nous pour adorer Allah. Elle ne revient pas, c'est fini, c'est trop tard. Le livre des actes, il est fermé. Sauf s'il a laissé derrière lui des actes continus, des œuvres continues. Comme une science qu'il a enseignée aux gens. Comme un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Ça sera inscrit pour lui. Non. Dans le monde du barzakh, il y a des gens depuis Adam, alayhi salam, ils sont dans le monde du barzakh. Tu dis, c'est long, mais c'est pas si long. Comme Allah tabarak wa ta'ala a parlé de l'Uzair, il est passé par une ville, il l'a fait mourir 100 ans, il l'a ressuscité. Il a dit, combien t'es resté? Un jour ou une partie d'une journée? Les gens de la caverne, quand ils se demandent combien on est resté, ils disent quoi? Et ils disent, on est resté une partie de journée. 309 ans. Donc la personne qui a dormi 100 ans, il dit, je suis resté une partie de journée. La personne qui a dormi 309 ans, elle dit, je suis resté une partie de journée. C'est pareil. Toi, la personne qui dort 5 heures ou la personne qui dort 24 heures, il croit qu'il est resté une petite partie, quelques minutes, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans le monde du barzakh, c'est même si c'est très long, comme l'âme, elle ne sera plus dans leur corps, il n'y a plus tous les sentiments, il n'y a plus les sens physiques, perceptions physiques qu'il a, qui font que la vie, elle est longue. Il la voit longue la journée. Alors que quand elle est dans le monde du barzakh, c'est que l'âme. Comme il a dit Ibn al-Qayyim, l'âme, c'est elle qui subit les joies et les peines, et le corps, il suit l'âme. Alors qu'ici, c'est le contraire. C'est le corps qui subit les joies et les peines, et l'âme, elle suit le corps. Enfin, fil barzakh, c'est le contraire. Et au paradis, c'est l'âme et le corps ensemble. Mais ce n'est pas le même corps. C'est un corps spécialement pour le paradis. En enfer aussi, c'est l'âme et le corps ensemble. Mais c'est un corps spécialement pour l'enfer. Qui est fait spécialement sur mesure pour bien souffrir. Alors que celui au paradis, il est fait spécialement sur mesure pour prendre le plus de plaisir possible. Non. D'ailleurs, il a été rapporté plusieurs hadiths sur ça. Quelle est la taille de la dent du kafir en enfer, comme la montagne de Uhud, que sa place où il s'assoit, c'est comme entre Mecca et Medina. Il est lourd, il est gros, sa peau, elle est lourde, elle est épaisse pour qu'il sente encore plus la douleur et que ça le brûle et que ça le châtie encore plus. Et à chaque fois que sa peau, elle se brûle, Allah Ta'ala lui redonne une autre peau pour qu'il sente la douleur. Amma les gens du paradis, Allah Ta'ala les a fait à la taille de notre père Adam, alayhi salam. Et ils ont tous les délices qu'ils veulent. Allahumma ja'alna minhum. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Puis Allah Ta'ala parle de ceux qui vont recevoir leur livre de la main droite. Yawm al-qiyama, les gens recevront leur livre d'action soit de la main droite, soit de la main gauche. Celui qui l'a reçu de la main droite, c'est celui qui a réussi. Comme il est venu dans des versets dans la sourate Al-Haqqa. Donc celui qui reçoit son livre de la main droite, il revient
Fi ardi al-mahshar, la terre du rassemblement, comme s'il a gagné. Et maintenant, c'est pour ça qu'on voit les gens, par exemple, ils gagnent une coupe, ils gagnent quelque chose. Il court partout, il montre sa coupe, il est content, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a gagné, Hadha? Il a rien gagné du tout. Peut-être il a gagné des péchés, peut-être. Sûrement même. Mais celui-là qui a gagné au Al-Qiyama, il a gagné de la grande réussite éternelle. Et il revient, il montre, il est fier. Ha umuqra'u kitabiya. Lisez mon livre. Moi, je savais que j'allais rencontrer ce jour-là. C'est ça la grande réussite. Et là, Allah tabarak wa ta'ala parle de cela. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Celui qui reçoit son livre de la main droite. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Il subira un compte facile, léger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé quel était ce compte facile et léger. Allah Ta'ala va approcher de lui le croyant le jour du jugement dernier. Et il va lui énoncer tous ses péchés. Et il va lui faire reconnaître. Et ce croyant va dire, oui Allah, j'ai fait tel péché. Oui Allah, j'ai fait tel péché. Oui Allah, j'ai fait tel péché. Puis Allah Ta'ala lui dira, comme je te les ai cachés dans le monde de Dunya, je te les cache aujourd'hui et je t'ai pardonné. Entre dans mon paradis. Et ça, le compte facile. Celui qui a reçu le livre de la main droite, voilà le compte qu'il aura. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, il va lui faire miséricorde et le faire entrer au paradis parmi les vainqueurs. Allahumma ja'alna minhum. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Donc, celui qui reçoit son livre de la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quelle famille? La famille au paradis, la famille éternelle, avec une jouissance éternelle. Pas la famille de ce bas monde. Sa famille qui l'attend au paradis. Ses femmes du paradis qui l'attendent. Les serviteurs du paradis qui l'attendent. Sa famille des croyants qui sont morts croyants dans le dunya, qui resteront avec lui aussi au paradis. Il retournera chez eux réjoui. Et ça, c'est une jouissance, alhamdoulilah, et une joie éternelle, sans fin. On voit après la comparaison quand Allah tabarak wa ta'ala parle de l'autre, celui qui reçoit le livre de la main gauche. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Donc le premier, tellement il est heureux, il va entrer au paradis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier groupe qui entre au paradis à la beauté de la pleine lune. C'est-à-dire tellement il est heureux, la joie elle se voit sur son visage. Tu vois quelqu'un quand il est heureux. C'est les sahaba, quand ils décrivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le petit enfant juif, il a accepté l'islam avant de mourir. Il est sorti, ils ont dit, on a vu son visage comme la pleine lune. Tellement il était heureux, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alhamdulillah qu'Allah a sauvé une âme de l'enfer. Donc pareil, le jour du jugement dernier, ces gens-là, tellement ils sont heureux, ils resplendissent comme la pleine lune. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, les gens qui sont au paradis, tu vois sur leur visage la jouissance des bienfaits. Tellement il est heureux. Sur son visage, tu le vois qu'il est heureux. Non. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Celui qui recevra son livre derrière son dos. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Il va appeler sur lui-même le malheur. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Et il brûlera dans le feu ardent. Innahu kana fi ahlihi masrura. Car il était tout joyeux parmi les siens, parmi sa famille. Donc on voit le premier, il reçoit son livre de la main droite, il retourne à sa famille tout joyeux, pour une joie éternelle. Et on voit le deuxième, il avait oublié Allah tabarak wa ta'ala, il avait mis le Coran derrière son dos, les prescriptions du Coran et de la Sunna derrière son dos. Donc il recevra son livre derrière son dos. Comme il avait mis la religion derrière son dos, il recevra son livre de la main gauche derrière son dos. Il croyait qu'il était bien, il était joyeux auprès des siens, mais cette joie, elle était éphémère. Il se suffisait de cette joie d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'être joyeux auprès des siens ou de sa tribu ou de son groupe. Mais cette joie, elle était éphémère. Car il n'a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala, donc il recevra son livre de la main gauche derrière son dos. Certains ulama ont dit que la main gauche, c'est une chose, derrière son dos, c'est autre chose. Le sahih, c'est que c'est une même personne. Celle qui reçoit de la main gauche et derrière son dos, c'est une même catégorie. C'est-à-dire, ils le reçoivent de la main gauche, puis derrière leur dos. Comme ils ont mis le din derrière leur dos dans cette vie, c'est aussi, Yawm al-Qiyamah, ce livre des actions, ils le mettent derrière leur dos.
comme Allah tabarak wa ta'ala dit en parlant d'eux. Celui qui va recevoir son livre de la main gauche va dire malheur à moi, malheur, j'aurais bien aimé ne jamais recevoir mon livre. J'aurais bien aimé ne jamais savoir ce qu'il y a dedans. Malheur à moi, pourquoi c'est pas la fin? Pourquoi Allah il ne me détruit pas maintenant? Mes biens ne m'ont servi à rien. Halaka anni sultaniya. Mon pouvoir, il a été la cause de ma perte. Ça va être ça, Yom al-Qiyamah. Les gens de la droite, les gens de la gauche, celui qui reçoit son livre de la main droite et ceux qui reçoivent leur livre de la main gauche derrière leur dos. Allah salamatu wa l'afiyah. Et celui-là, comme Allah tabarak wa ta'ala, il va appeler sur lui-même le malheur, la perte, tellement il est dans le regret. Mais le regret ne sert plus à rien ce jour-là. Car Dunya, c'est la demeure des actes. Et l'au-delà, c'est la demeure des récompenses. Ah. Et celui-là, il va brûler dans un feu ardent. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuqina jami'an minan nar. Cette personne-là, Allah tabarak wa ta'ala, après a cité comment il était. Innahu dhanna an la yahur. Il pensait que jamais il ne serait ressuscité. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Il pensait que ça y est, une fois qu'il va mourir, c'est fini. C'est-à-dire, il démentait dans le jour du jugement dernier. Il traitait le jour du jugement de mensonge. Allah Ta'ala a répondu à celui-là. Donc, dans le Coran, vanna, quand ici Allah Ta'ala parle des kuffars, vanna an la yahur, c'est pas vanna, il pensait, ils sont dans le doute. Quand il parle des kuffars, van c'est le doute. Amma, quand il parle van el mu'minin, c'est el yaqin, c'est la certitude. Comme il est venu dans l'autre verset qu'on a vu, le croyant qui dit, moi je pensais que je rencontrerais mon compte. Van, ici c'est pas le sens le doute, c'est le sens la certitude. J'avais la certitude que je rencontrerais ce jour-là. Nah. Donc Allah lui répond, bala, certes oui, tu seras ressuscité. Inna rabbahu. Kana bihi basira. Certes, oui, son Seigneur l'observait parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Innahu, subhanahu wa ta'ala, sami'un basir. Il observe tout, subhanahu wa ta'ala. Et il voit ce que chaque créature fait, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah, tabarak wa ta'ala, jure. Fala uqsimu bishafaq. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Donc Allah Ta'ala jure par ces choses-là, par ces créatures. Et nous avons déjà dit que le seul qui a le droit de jurer par les créatures est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il jure en disant Subhanahu wa Ta'ala, non, je jure par le crépuscule. Shafaq, le crépuscule, c'est les lueurs rouges qu'il y a après le coucher du soleil. Et quand ces lueurs rouges disparaissent complètement à l'horizon, dans un endroit où les lumières, où la pollution luminaire ne gêne pas, alors c'est l'heure de l'Isha qui est entrée. C'est ça, Shafaq. Wal-layli wa ma wasaq, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe. C'est-à-dire la nuit et tout ce qu'elle enveloppe. Elle enveloppe cette terre et toutes les créatures qu'il y a dans cette terre. Wal-qamari idha tasaq, et par la lune quand elle devient pleine. Donc Allah Ta'ala jure par toutes ces créatures-là. Et pourquoi elle jure? Pour dire « La tarkabunna tabaqan an tabaq ». Vous passerez certes par des états successifs. Effectivement, l'être humain, dans sa vie, il passe par des états successifs, dans le temps. Il passe par des états successifs dans le lieu. Il passe par des états successifs vis-à-vis de son cœur. Même son cœur, il passe dans des états successifs. Différent. Allah tabarak wa ta'ala, il a fait que ce dunya, ce bas monde, et n'est jamais, un jour n'est pas jamais comme l'autre, tout à fait comme l'autre. Par exemple, dans le temps, comme Allah tabarak wa ta'ala dit, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et voilà les jours que nous faisons tourner entre les gens. Donc, un jour tu es heureux, un jour tu es malheureux. Parfois, sans cause, tu sais pas, un jour tu te réveilles, t'es de bonne humeur, t'es bien. Un jour tu te réveilles, t'es de mauvaise humeur. Il n'y a pas une cause spécifique à cela. Tu ne peux pas dans ce monde toujours être dans le même état. Toujours la même situation. Non. Un jour tu as des difficultés, un jour tu as des facilités, un jour tu es dans la richesse, un jour tu es dans la pauvreté, un jour tu es dans l'aisance, un jour tu es dans la difficulté, un jour tu es en santé, un jour tu es malade.
C'est comme ça la vie. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Tu peux pas gagner tout le temps. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Même les musulmans, il y a des jours quand ils sont faibles, quand ils obéissent pas à Allah, ils perdent. Mais quand ils reviennent à l'obéissance d'Allah, ils gagnent. C'est comme ça. Ce bas monde, il est comme ça. C'est pour ça un poète arabe, il avait dit, un jour contre nous, un jour pour nous, un jour on est triste, un jour on est heureux. Toute personne, elle sait cela. Pareil sur la peur, la sécurité, la guerre, la paix, la pluie, la sécheresse. Donc ça, c'est des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans ce monde-là. Donc c'est ça dans le sens de la tarkabunna tabaqan an tabaq. Vous allez passer par des états successifs dans le temps. Deux, des états successifs dans les lieux. Naam, l'être humain, il naît dans ce monde dans un endroit. Parfois, il ne reste pas toujours dans le même endroit. Il va d'un endroit à l'autre. Avant cela, il était dans le monde des âmes, puis dans le ventre de sa mère, puis dans ce dunya, puis dans le barzakh, puis yom al-qiyama, puis ou le paradis ou l'enfer. Donc, il passe par différents lieux successifs, cet être humain. Même les tombes, on va les visiter. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à que vous visitiez les tombes. Il y a un arabe qui disait, wallahi, il a entendu ça, un bédouin, et les bédouins, ils connaissaient bien la langue arabe. Il dit, si Allah, il a dit qu'on va les visiter, c'est-à-dire, on va pas y rester. C'est-à-dire, après ça, il y a encore quelque chose. Et effectivement, le monde de la tombe, c'est pas un monde dans lequel on reste. C'est pour ça qu'il est faux de dire, il nous a quittés pour aller vers sa dernière demeure. Celui qui dit ça, c'est une parole de kufr. C'est pas sa dernière demeure, le monde de la tombe. C'est un monde de passage. Celui qui dit ça, c'est comme si il rejetait la croyance à la résurrection. C'est comme si il rejetait le paradis et l'enfer. Donc attention aux paroles qu'on utilise parfois. Il nous a quittés pour aller vers sa dernière demeure. On n'a pas le droit de dire ça. C'est une parole de kufr. Celui qui dit ça en sachant ce qu'il dit, il a mécru en Allah et en ses messagers. Parce qu'il a mécru dans le fait de la résurrection et du paradis et de l'enfer. Non. On a dit d'abord les temps, après le lieu. Les états successifs dans le corps. L'être humain, il était comment? Il était une goutte de sperme. Après, il a été comment? Plusieurs états successifs, jusqu'à qu'il soit un embryon, puis un enfant. Sans force, sans rien. Il ne peut pas tenir debout, il ne peut pas se défendre. Puis peu à peu, il prend de la force. Il atteint la force de l'âge, comme on dit. Puis, après, il décline. Et les savants ont comparé les états successifs de l'être humain dans son corps et dans sa santé à la lune. La lune, quand elle démarre, elle est à peine visible. Puis elle est de plus en plus visible jusqu'à ce que ce soit la pleine lune. Puis après, elle décline jusqu'à que ce soit la nouvelle lune. Hakada, l'être humain. L'être humain, dans cette vie-là, il commence faible, puis il grandit et il devient fort. Puis après cette force, vient une faiblesse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit dans le Coran, dans Sourate Ar-Rum, quand Allah ta'ala dit, donc Allah vous a créé d'une faiblesse, puis il a fait après la faiblesse, une force, puis après la force, une faiblesse, puis la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui le connaisseur et le capable, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain voit en lui-même aussi ses changements successifs dans son corps. Et l'essentiel des changements, c'est les changements de l'état du cœur. Car le cœur, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon, s'il est mauvais, tout le corps est mauvais, c'est le cœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. Et c'est pour ça qu'il répétait souvent cette dua, ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Là, tu aimes Allah et son messager. Qui te donne la garantie demain matin, tu ne te réveilles pas mécréant? Tu as cette garantie-là? Personne ne l'a. C'est pour ça que la personne, elle invoque Allah, qu'Allah raffermisse son cœur. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes, il était mécréant, en une seconde, il est devenu croyant? N'est-ce pas? Il y a aussi des gens, ils sont croyants, en une seconde, il devient mécréant. Surtout vers la fin des temps. Dans les moments où les tentations et les troubles sont répandus, et ils sont comme une nuit noire. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir des troubles aussi sombres que la nuit noire. Tu ne reconnais plus le bien, c'est trop trouble. La personne se réveille le matin croyant, il se couche le soir mécréant.
Il se couche le soir le croyant, il se réveille le matin mécréant. Il vend sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Pour un bien éphémère de ce bas monde. C'est pour ça, Ikhwa, personne ne se sent à l'abri. Personne ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité de la ruse d'Allah? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah que une gente perdante, que des gens perdants. Ça a été rapporté par plusieurs salafs. Celle ce qu'ils craignaient le plus, c'était la ruse d'Allah. Ils craignaient de mourir à l'al-kufr. Quand Sufyan al-Thawri était sur le lit de mort, il pleurait tellement. Un de ses élèves, il dit, tu dois avoir beaucoup de péchés si tu pleures tellement. Il a pris un bâton, il a dit, oh Allah, mes péchés pour Allah, c'est rien, c'est moins que ça. S'il veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que la foi me soit enlevée de mon cœur avant de mourir. Il avait peur de la ruse d'Allah. Il avait peur de ne pas avoir été sincère tout ce temps-là. Et qu'en fait, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a tendu la corde. Lui, il a rusé et Allah ta'ala lui a préparé un stratagème. Et avant de mourir, la foi, elle sort de son cœur. Allahu musta'an. Comme le hadith d'Ibn Mas'ud. Le hadith, il est terrible, ce hadith. La personne, elle fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis une coudée. Son livre le devant, s'il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer, il y entre. Et la personne a fait les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et c'est sa destinée, elle le devant, s'il fait les actes des gens du paradis, il meurt, il y entre. Non. Ça, c'est la personne qui n'est pas sincère. Comme il est venu dans d'autres versions du hadith, il fait les actes des gens du paradis sur ce qui apparaît aux gens. Par rapport aux gens, il apparaît que c'est les actes des gens du paradis. Mais en réalité, comme il n'est pas sincère, il est en train de faire les actes des gens de l'enfer. Donc la personne craint Allah. Il craint qu'à cause du fait qu'il n'a pas corrigé son cœur, du fait qu'il n'a pas accompli la sincérité, du fait qu'il ait des maladies terribles et dangereuses dans son cœur, qu'à cause de ces maladies-là, il meurt sur autre que l'islam. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, il a dit, celui qui veut prendre modèle, qu'il prenne modèle sur ceux qui sont morts. Car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, n'est pas à l'abri de la tentation et de l'égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qalb, le cœur, sa racine déjà en arabe, ça vient de Taqallub, Yataqallab, il change. C'est pour ça qu'il s'appelle Qalb. Il se retourne d'un côté, de l'autre. Un matin, tu te réveilles, tu as le souci pour une maison. Tu as ton cœur, il n'y a que la maison dans ton cœur. Tu ne vois plus rien. Maison, maison, maison. Un autre jour, ton souci, c'est une voiture. Un autre jour, ton souci, c'est l'argent. Un autre jour, ton souci, c'est les femmes. Un autre jour, ton souci, c'est Kada. Comment les situations du cœur, elles changent? Tu entends une bonne nouvelle, tu es heureux, tu penses à des bonnes choses. Une parole, une mauvaise nouvelle, ça y est, tu vois tout noir. Subhanallah, le cœur, comment il est? Et il y a la personne qui a son cœur attaché à Allah. Qui, même s'il agit dans ce monde, tout ce qu'il fait dans ce monde, c'est pour lui faciliter l'au-delà. Il voit ce monde-là que comme un moyen pour atteindre l'au-delà. Comme une monture qu'il a montée pour le faire arriver là où il doit arriver. Sans rien d'autre. Soit dans ce monde comme si tu étais un étranger, ou un homme de passage. C'est-à-dire, ce qui est mieux, c'est que tu te sentes comme un homme de passage. Parce qu'un étranger, par exemple, dans une ville, il est étranger. Un étranger dans un pays, il est étranger, il construit, il vit, etc. Mais il sait qu'il est étranger, il sait qu'il ne va pas rester ici. Alors qu'un homme de passage, c'est encore pire. Il est juste de passage, il ne fait rien. Il prend les strictes nécessaires et il passe. Et c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit cette ville-là à Omar ibn al-Khattab. Radiallahu anhu. Quand Omar radiallahu anhu est entré chez Hafsa, sa fille, et la femme de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur une natte en osier qui avait laissé des traces sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a pleuré en voyant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allongé sur quelque chose de si peu confortable.
alors que c'est le messager d'Allah. Il dit au messager d'Allah, les rois des Romains, les rois des Perses, ils dorment sur des lits en soie, etc. Et toi, tu es le messager d'Allah, tu dors sur ça. Qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit, oh Omar, tu préférais que eux, ils aient l'au-delà et nous, on ait ce bas monde ? Qu'en ai-je à faire de ce monde, ya Omar ? Je ne suis dans ce monde que comme un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis il s'est levé et il est parti. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà comment un croyant il doit être. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Vous passerez certes par des états successifs, dans le temps, dans les lieux, dans le corps et dans le cœur. Et le plus important, c'est l'état du cœur. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous raffermir. Allah Ta'ala a raffermi ceux qui ont cru avec la parole de fermeté dans ce monde et dans l'au-delà. Qui est la ilaha illallah. Donc la personne, il doit être ferme dans sa religion. Son cœur être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah et de son messager, l'amour de l'au-delà. Il cherche dans ce qu'il fait le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il agit dans ce monde, ce qu'il fait dans ce monde, c'est pour l'aider pour sa religion. Derrière ça, toujours, son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'oublie pas Allah, il évoque Allah matin et soir, debout, assis, allongé, couché. Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre, il sort, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses instants. C'est le cœur qui est le plus important dans l'adoration. Si quelqu'un fait la salat, son cœur il est insouciant. Est-ce que cette salat elle va avoir un effet sur lui? Il a fait des gestes. Inch'Allah, elle est acceptée auprès d'Allah. Mais ses effets, les effets bénéfiques de la salat, la personne qui invoque Allah, son cœur il est insouciant. C'est juste sa langue qui bouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la dua d'un cœur insouciant. Donc, le plus important, c'est le cœur. Que ce cœur-là, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Non. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Qu'ont-ils à ne pas croire? C'est-à-dire, c'est tellement simple de croire. Après tout ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi vous ne croyez pas? C'est tellement simple, tellement utile pour l'être humain de croire en Allah au jour dernier. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et pourquoi quand le Coran il leur est récité, ils ne se prosternent pas? Ici, c'est pas la prosternation dans le sens, c'est dans le sens physique qui est figuré aussi. Pourquoi? C'est-à-dire la soumission. Quand le Coran il leur est récité, ils ne se soumettent pas. Car la prosternation, c'est quoi? C'est le signe visible de la soumission, n'est-ce pas? Et l'état des kuffars, quand les versets du Coran leur sont récités, ils ne se soumettent pas. Alors toi, quand les versets du Coran sont récités, soumets-toi. Et ton cœur doit bouger. Et tu dois te plier. Si la personne, quand elle entend les versets du Coran, ou les paroles du prophète, elle ne se plie pas, elle ne se soumet pas, alors il a une caractéristique comme les kuffars, qui ne se soumettent pas et qui ne se plient pas. Il a la foi faible. Et en cela, il ressemble aux kuffars qui ne se soumettent pas aux injonctions du Coran. Non. Donc la personne qui voit ça de lui, il doit faire l'effort de corriger son cœur par les bonnes actions, par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'éloignement des péchés et des gens du mal et des ambiances de mal, l'alliance aux croyants, aux pieux, aux gens de la sunna et se désavouer des kuffars, des pécheurs et les gens de la bid'a. C'est comme ça que la personne, elle renforce sa foi. Certains savants, comme l'Ahnaf, ils se sont basés sur ce verset pour dire que la prosternation du Coran, elle est wajib, elle est obligatoire. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aussi a cet avis-là. Mais Jumhur ul-Ulama, la majorité des savants, voient que c'est recommandé. C'est une sunna très recommandée et non une obligation. La preuve de cela, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il était sur le mimbar et il a lu Surat al-Nahl. Quand il est arrivé au verset de la prosternation, il est descendu du mimbar et s'est prosterné. Puis dans la prière du vendredi prochain, il l'a lu encore une fois. Mais cette fois, il ne s'est pas prosterné.
Et il a dit, certes Allah ne nous a pas rendu obligatoire cette prosternation, sauf si on le veut. Et il a dit ça devant tous les sahaba et personne ne l'a repris. Donc c'est considéré comme ijma' des sahaba, un consensus des sahaba. Ils ont tous agréé cette parole de lui. Ils ne l'auront pas repris. Si c'était une erreur, ils l'auraient repris sur place. Ils leur ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ou Allah a ordonné. Mais le fait qu'ils se soient tus de ce que Omar a dit dans le Jum'ah, ça prouve qu'ils sont tous d'accord avec ça. Que c'est une recommandation et non une obligation formelle. Et concernant sujoud tilawa, les prosternations de récitation du Coran, il y a divergence sur la manière de procéder à cette prosternation-là et ses conditions. Certains voient qu'il faut les ablutions, qu'il faut se mettre vers la qibla, qu'il faut cacher la nudité, comme pour la salat. Et qu'il faut faire le takbir en y allant et en se relevant. D'autres voient que non, tout ceci n'est pas une condition et que ni la qibla, ni la pureté, ni etc. Et il y a des preuves en cela qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité une surah où il y a une prosternation à Mecca. Et il y avait dans l'assise les musulmans, des koufars, tout le monde s'est prosterné, même les koufars. Et il est sûr que tout le monde n'avait pas les ablutions parmi les musulmans. S'il fallait les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité. Non. Donc, le sahih, c'est que rien de tout cela n'est obligatoire. C'est mieux, bien sûr, d'avoir les ablutions, de, que ce soit vers la qibla, etc. Mais ce n'est pas obligatoire pour faire la prosternation. De récitation du Coran ou la prosternation de louange envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci ne nécessite pas cela. Après, il y a divergence sur le takbir. Certains voient qu'on fait un takbir pour se prosterner sans se relever. Certains voient qu'il n'y a pas de takbir, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il faut faire le takbir, dire Allahu Akbar. On se prosterne simplement. L'imam Ibn Taymiyyah voit que la meilleure manière de se prosterner, c'est de se mettre debout et d'aller en prosternation. Bien qu'en le faisant assis, c'est valable. Il dit car se prosterner de debout au sol, il y a plus d'humiliation en cela que de le faire assis. Non. Maintenant, en ce qui concerne dans la salat, est-ce qu'on fait le takbir ou non? Certains ulama aussi ont parlé de ce sujet. Et le sahih, inshallah, c'est qu'il faut faire le takbir dans la salat. Car il a été rapporté dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir à chaque fois qu'il allait en prosternation ou qu'il se relevait. Donc, ça fait partie d'aller en prosternation dans salat, même si ce n'est pas la prosternation qu'on connaît, ça fait partie des prosternations de la salat. Qu'est-ce qu'il faut dire dans sujoud at-tilawa? Certains rapportent dans les livres une dua spécifique. En réalité, cette dua spécifique, elle n'est pas confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit dans sujoud at-tilawa tout ce qu'on dit dans le sujoud normal. Toutes les duas qui sont rapportées dans le sujoud normal, on peut les dire dans sujoud at-tilawa. Et parmi celle-là, celle qui est rapportée, qu'ils disent que c'est pour sujoud de tilawa, en fait, celle-là, elle a été rapportée dans le sujoud en général. Donc, on peut la dire comme on peut dire toutes les autres doigts à dire dans la prosternation normale. De même, on peut retarder un petit peu sujoud de tilawa, mais on ne peut pas le faire à l'avance. Par exemple, là, on l'a lu, on a expliqué, on l'a retardé un peu, on le fait, tant que ce n'est pas trop tard. Mais on ne peut pas le faire à l'avance. Taïb. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ. Puis Allah tabaraka wa ta'ala en parlant des mécréants dit « Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonges. Or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Les mécréants, ils traitent de mensonges le Coran, le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce qu'ils cachent dans leur poitrine comme haine pour Allah, comme comme démenti, le fait de démentir, comme manigance envers l'islam et les messagers. Et les koufars ont toujours été les ennemis de l'islam et des messagers en toutes les époques. Ils ont toujours manigancé contre l'islam et les messagers. Et ça, ce n'est pas nouveau. Il y en a qui ont même tué des prophètes. Il y en a qui les ont torturés, ils les ont chassés. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'aujourd'hui on voit les koufars attaquer les suiveurs des prophètes qui sont les musulmans. Les suiveurs des prophètes qui sont les musulmans. Tous les autres ne suivent pas les prophètes. Ils ont suivi leur passion. Car toute personne qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a démenti dans tous les messages qui sont venus avant. Car tous ces messages, ils sont venus de la part d'Allah pour annoncer aussi la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc celui qui dément dans un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses messagers, c'est comme s'il les a tous traités de mensonges. Et aujourd'hui, il n'y a pas de religion agréée auprès d'Allah sauf l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, annonce-leur à ces gens-là, à cause de ce qu'ils cachent comme manigance, comme haine contre l'islam et les musulmans, contre les suiveurs des prophètes, annonce-leur un châtiment douloureux. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Illa, ici, c'est pas dans le sens sauf. Ici, l'istithna en langue arabe, ça peut être un istithna muttasil ou munqati'. Muttasil, ça veut dire que l'exception, elle est faite du même genre de la chose qui a été citée auparavant. Alors que munqati', ce n'est pas le même genre. Par exemple, ici, quand il dit sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Est-ce que ceux qui ont cru et font des bonnes actions, c'est le même genre que les kuffar avant? Non. Donc ici, c'est pas dans le sens sauf. Ça veut dire, certes, ceux qui ont cru, mais plutôt ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, voilà la récompense qu'ils auront. C'est une subtilité juste dans la langue arabe qui est importante de connaître. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Illa alladhina amanu wa aminu salihati lahum ajrun ghayru mamnun » Sauf ceux qui ont cru et font les bonnes actions, ils auront une récompense non interrompue, qui ne s'interrompt jamais, jamais interrompue. Naam, ceux qui ont cru en Allah au jour dernier, qui ont cru en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres révélés au jour dernier, en la destinée bonne ou mauvaise qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont fait les bonnes actions. Quelles bonnes actions? Qu'est-ce qui est considéré comme une bonne action? Une action, pour qu'elle soit considérée comme bonne, il lui faut absolument deux conditions sine qua non. Sans ces conditions-là, cette action, elle n'est pas considérée comme bonne, mais mauvaise. La première condition, c'est qu'elle soit sincèrement pour Allah. C'est qu'à travers cette action, on ne cherche que le visage d'Allah et la récompense auprès de lui et la demeure éternelle. On ne cherche pas un bien éphémère de ce bas monde. On ne cherche rien parmi les biens éphémères de ce bas monde. Ni l'honneur, ni la louange, ni l'argent, ni une place, ni qu'on nous montre du doigt, ni qu'on dise lui connaît, rien. On cherche en cela seulement le visage d'Allah et sa récompense, subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis éternel. La deuxième condition pour que cet acte soit considéré comme bon, c'est qu'il soit conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, hadith Aïcha, celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera refusé, rejeté. Et dans la version de Muslim, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, فَهُوَرَدْ. Alors cet acte et cette personne sera refusé. Donc tout acte qui est fait en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est refusé et rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne est sincère. Il faut savoir aussi une chose. Il y a des gens qui peuvent prétendre aimer Allah. Et ils peuvent même aimer Allah. Il y a même des koufars qui aiment Allah. Ça vous étonne ce que je dis. Et ça c'est dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit, il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des divinités, des semblables, qu'ils aiment autant qu'ils aiment Allah. Donc Allah ta'ala dit de ces kuffars qu'ils aiment les statues et qu'ils aiment Allah aussi en même temps. Mais ils aiment ces statues autant qu'ils aiment Allah. Ils aiment ces divinités autant qu'ils aiment Allah. Donc ils aiment Allah. Et ils aiment aussi les divinités. Donc c'est pas toute personne, tu parles avec lui, tu vois qu'il aime Allah, ça veut dire qu'il est musulman. Il peut aimer Allah, mais il aime des choses ou des gens plus qu'Allah, ce qui l'a rendu mécréant. Wadih. Ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. On peut trouver chez les musulmans aussi. Tu lui parles d'Allah, il pleure. Ou des gens qui se prétendent de l'islam, mais qui se prosternent devant des statues, des tombes, ou qui adorent des saints, ou qui adorent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en dehors d'Allah. Tu vas lui parler d'Allah, il pleure. Il va te dire, j'aime Allah et son messager. Mais en vérité, cette personne-là, oui, elle aime Allah. Mais il aime un messager ou un saint, une personne enterrée, un mausolée, autant qu'Allah ou plus qu'Allah. Ce qui l'a rendu mécréant. Car il a dirigé un acte qui est spécifiquement dédié à Allah pour autre qu'Allah. Ça, c'est pour celui qui fait l'acte. Maintenant, celui qui ne fait même pas l'acte. Juste, il aime quelqu'un ou une chose plus qu'il aime Allah. Ou autant qu'il aime Allah. Ça fait de lui un kafir. Par le nas du Coran.
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Ils les aiment comme ils aiment Allah. Autant. Et Allah Ta'ala les a décrété mécréants, ces gens-là. Non. Si un acte n'est pas sincèrement pour Allah, et il n'est pas fait sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est refusé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est rejeté. Il n'est pas considéré comme un acte pieux. Il n'est pas considéré comme une bonne action. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais celui-là, il fait plein de bonnes actions. Comment? Non. Chez Allah, son action, elle est mauvaise. C'est un péché. La balance, elle n'est pas chez toi ou chez moi. La balance, c'est la balance qu'Allah ta'ala, il a mise. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire tromper par le bid'ah, les gens d'innovation, qui font des innovations et qui croient et qui pensent faire des bonnes choses, comme ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais cette fête elle a été fêtée ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ceux qui les ont suivis, ni par ceux qui les ont suivis, ni par ceux qui les ont suivis, ni les 3 premiers siècles de l'islam, ni les 4 premiers siècles de l'islam. Ça a été inventé par l'Ubaydiyin, ceux qui se sont faussement fait appeler le Fatimiyin, qui ont inventé cela. C'était des Rafida qui régnaient en Égypte et dans l'Afrique du Nord et qui ont instauré cela. Et ils ne c'était pas le seul anniversaire qu'ils fêtaient. Ils fêtaient celui-là, celui de Fatima, celui d'Ali, celui de je ne sais qui. Et c'est eux qui ordonnaient aux imams d'insulter les sahabas sur le mimbar. C'est eux qui ont inventé cela pour ressembler aux koufars, aux chrétiens qui fêtaient, eux, la naissance de leur messager. Comme il est venu dans le hadith sahih, Allah a voilé le repentir pour un innovateur tant qu'il ne laisse pas son innovation. Allah n'accepte pas son repentir, cette personne. Tant qu'il ne laisse pas son innovation, Allah n'accepte pas son repentir. Donc ne pas croire l'innovation, c'est quelque chose de simple. C'est grave. Un innovateur, il est pire auprès d'Allah qu'un pécheur qui boit du vin ou qui fornique. Parce que celui-là, il sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Il s'en veut. Alors que l'autre, il pense qu'il fait quelque chose de bien. Il n'a pas l'intention de le délaisser. Vous comprenez la différence? Et c'est pour ça, parmi les signes distinctifs des gens de la sunna dans toutes les époques, c'est leur combat envers les gens de la bid'a. Dans toutes les époques, les gens de la sunna, ils ont combattu les gens de la bid'a. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens de la sunna, ceux qui combattent la bid'a et les gens de la bid'a, à toutes les époques. Car la bid'a, elle est apparente, elle est d'eux, puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bid'a tel khawarij, bid'a tel rawafid, ils ont commencé, et jusqu'à aujourd'hui. Non, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, je vais en parler, c'est très important. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait. Quand il l'a fait, pour la cause pour laquelle il l'a fait. Et délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, pour les causes pour lesquelles il les a délaissées. Ou si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé des choses en son époque, alors qu'elles étaient présentes, alors il sera obligatoire pour nous tous de les délaisser après lui. C'est comme ça qu'on reconnaît la bid'a. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait alors qu'il était capable de le faire. Cette chose était présente à son époque, il était capable de le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est pas par hasard le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Donc, cette chose-là aussi, on devra ne pas la faire. Ces gens-là, qui se tiennent à ces qualités-là, ils auront une récompense jamais interrompue. Effectivement, une récompense éternelle au paradis. La personne qui entre au paradis, elle n'en sortira plus jamais. Il y vivra éternellement. Il y sera éternellement jeune. Il y sera éternellement en bonne santé. Il y sera éternellement heureux, sans jamais être misérable. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, ils recevront leur subsistance matin et après-midi, ils auront ce qu'ils veulent. Ce que nul œil n'a jamais vu, nul oreille n'a jamais entendu, ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé. Jamais. Mais cela c'est qui? Ceux qui ont la foi et les bonnes œuvres. Allahumma ja'alna minhum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi رب العالمين وقل رب زدني علما